Salut à tous! Bon, c'est un cas difficile aujourd'hui. Je reviens de chez le coiffeur et l'autre connasse, elle m'a loupé. Regardez, regardez. Là, là. Comparé à là. Mais c'est de la merde! Donc aujourd'hui, je vais certainement clasher un peu les coiffeurs. Oui, oui. Et ce, du début à la fin. Non, mais déconnez pas, on y va tous. On sait tous qu'il y a énormément de problèmes. Enfin, du côté des hommes, parce que je suis pas une fille, donc je peux pas trop savoir. Non, allez, on attaque. Quand vous rentrez, la nana vous demande s'il y a rendez-vous. Jusque-là, ça va. Ensuite, elle vous demande votre nom. Là encore, ça passe. Et après, direct, la meuf, elle veut te dessaper. Non mais attends, la meuf, elle dit ça genre, ouais, c'est juste pour vous. Mais en vrai, tu veux autre chose, hein, cochonne. Après, elle vous dit, patientez sur le sofa. Deuxième clin d'œil. Et là, elle commence par te faire un shampoing. Mon pote, dans ces situations-là, tu as un orgasme capillaire. T'enfermes les yeux tellement tu kiffes. Bon après, il y a bien le coup de la meuf qui dit... Vous venez avec moi, on va s'installer ici. Ok, alors t'as l'embarras du choix, mais la meuf te fout tout au fond à gauche comme une pauvre merde, quoi. Comme au resto, quand t'as personne dans le restaurant et que le mec t'emmène à la seule table juste à côté des chiottes. Des chiottes. Bah après, c'est pratique, si t'as la chiasse, au moins t'es juste à côté, quoi. Mais si c'est pas toi qui as la chiasse et que c'est un mec qui l'a et qui sent des chiottes, bah tu te prends tout dans la gueule, frère. Bref. Bon, ensuite, elle t'installe. Et là, elle te demande... Vous voulez du thé, du café? Mais what? La meuf, elle s'est crue où? Dans ces cas-là, moi, j'ai plus de chaîne, hein. Non, vous avez des gâteaux? Oui. Merci. Vous avez une console? Oui. Merci. T'imagines les gros pervers, là-bas, ils sont que pour une chose. Vous voulez du thé, du café? Non, mais venez voir. Approchez-vous. Encore. 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 Vous voulez voir ma... Donc tu dis ta coupe. Alors, vous voulez quoi? Court sur les côtés et un peu plus long au-dessus. Et la meuf, elle fait genre, elle a compris. Mais en fait, pas du tout, parce qu'après, t'as une question, mais débile, qui vient par-dessus, et que là, tu la grilles direct, elle avait rien pigé, quoi. Et là, bam, la question. Mais vous voulez quelle taille pour les cheveux? Elle calcule rien, la meuf! Une fois la question posée, elle commence son travail. Et là, mon pote, c'est le pire moment de ta journée. Les cheveux vous tombent sur la gueule, dans les yeux, dans le cou, dans les oreilles. Mais le pire, c'est qu'une fois j'ai aspiré une touffe de cheveux par le nez, j'ai cru que j'allais crever. Et à ce moment-là, t'as tellement envie de gueuler. Dégage, connard, tu vois pas que ça me gratte? T'as pris à tomber sur les chiens ou quoi? Sauf que tu fermes ta gueule et que tu te fais un test à toi-même. Vous savez, c'est le test tout pourri là. Je pense que vous l'avez tous fait ce test. C'est le test du... Combien de temps je vais tenir sans me gratter? Et à la fin, quand tout s'est bien passé, tu cries victoire. Et là, les potes, elle vous sèche les cheveux. Ce qui est tout à fait normal. Mais il y a un truc à pas faire. Elle te demande... Et voilà, on a fini. Vous voulez du gel? Et là, mon pote, tu cries non. T'as déjà, après t'être fait couper les cheveux et t'être fait mettre du gel, recoiffé ta sublime chevelure, mais t'as l'impression de caresser un chien mouillé ou un portugais. Non mais c'est horrible! T'as les mains pleines de cheveux! Et comme un connard, tu t'essuies sur toi et la coiffeuse s'en rend pas compte et t'as pas envie de la déranger. Trait de mondanité. Ayant survécu à l'attaque de mes cheveux et l'agression de la cochonne, je vous dis attention. Bref, en espérant que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que vous avez laissé un j'aime et un commentaire, que vous vous abonnerez à ma page YouTube, que vous me suivrez sur Twitter et que vous aimerez ma page Facebook. Et... partagez ça sur vos murs avec du gel pour que ça glisse direct et que ça reste collé sur vos murs après. Et si vous faites pas ça, je vous rase le crâne. Dépêche-toi mon pote, parce que je te rase la boule à zéro. Moi j'attends, je te dégomme les cheveux. Dépêche-toi. Tiens, t'as un petit cheveu là. Attends.